Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Ah non, je crois que ça allait être mon ami. Oui, ils viennent pas, mon ami. Lui, par contre, c'est un personnage principal. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him. Trouvez Jésus. Return to me. Ah bah faut peut-être aller à l'église du coup. Ah bah oui, c'est une quête carrément. Ah bah cool. L'église elle va être par là je crois de mémoire. Non? Je sais plus. Ouais il est là. Ah bah c'est, oui c'est une quête. C'est donc carrément une quête. J'aimerais d'ailleurs qu'on passage, qu'on fasse tout, un maximum de quêtes ici. Falloir que je retravaille sur ma mémoire. Je vais m'en prendre un coup. Non, c'est moi qui tape. Hop. Hop les. Toi t'es mort au prochain tour. Boum. Fou des elfes, d'accord. Boum. Hop les, l'autre il est mort. Ah bah les deux sont morts, cool. Cool cool cool. Génial. On est trop balèze, je vais arriver. On est badass, on est balèze, on est blablabla. Voilà. Ok, bon. Il y a quelques quêtes par contre que je pense qu'on va pas réussir à faire. Je crois qu'il y a un... La fuck. Tu as trouvé Jésus. Next time finding me won't be so easy. Vous avez trouvé Jésus. Retournez voir le père Maxi. Oh putain. On peut reprendre le jeu, ce serait vachement fandard. Oh, pauvre petit. Il ne s'amuse pas. Au revoir Jésus, le père, Maxi. Do not despair. For many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. D'accord. Trouver Jésus à nouveau et ça se passe où? D'accord. On y retourne. C'est merci pour cette quête FedEx. Et y avait pas une quête avec des slips aussi? Journal de quête. Cache-cache, d'accord. Terminé. Je crois qu'il y avait une quête avec des slips. Ah bon, collectors. Attendez. Quête. Ah voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc il nous manque deux slips. Oh la vache. Il nous manque des slips. J'imagine que c'est des maisons auxquelles j'ai pas encore accès. On va quand même refaire les différentes maisons auxquelles on a... Oh merde, c'était ici. On a accès pour voir, bien fouiller partout. Ok, donc. Ah oui, putain, il est là, j'avais pas vu l'ombre. Ah, t'es adorable. You can call me once per day with this. Ah putain, c'est une invocation. J'avais oublié. They're scary. Come find me again for another. Ok. Ah, puis j'ai lu un ami aussi. Cool. Ça me fait deux amis supplémentaires. Cadeau, 26 amis. D'accord. Donc, on va faire quand même la petite... Vous avez 15 nouveaux amis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow. Talent. Alors. Bien. Ça, ça peut être bien ça. Hop, voilà. Ok, bon bah la suite alors. J'avais dit qu'on devrait refaire chapelet. Qu'on devrait refaire toutes les maisons. Ce serait peut-être pas mal. On va refaire toutes les maisons. Essayer de tout trouver. C'est pas la nôtre celle-là pourtant. Et elle est verrouillée donc ça commence mal.
Attends, il y avait un endroit ici où je peux rentrer. Merde. Merde, merde, merde. Ça, c'est pas la nôtre non plus, celle de... Non, c'est celle de... Comment qu'il s'appelle? Comment il s'appelle déjà, celui-là, le Vulcain? Kevin? Non, c'est pas Kevin. Si? Attendez. Je vais aller vérifier. Comment tu t'appelles? Kevin, si, c'est Kevin. Kevin Stollet, normalement. Donc j'ai dû fouiller sa piole. Ce sera pas ici. Là, j'ai pas le droit de rentrer. Ce qui est saoulant. Ce qui est incroyablement saoulant. Et j'ai tout fouillé, donc je ne pourrai pas rentrer quoi qu'il arrive. Ok. C'est pas pour tout de suite, j'imagine. C'est dommage. J'étais parti pour... Oh mince. Ici, j'ai pas le droit de rentrer. Ok. J'ai pas le droit de rentrer non plus. Ça c'est cool. Elle me parle pas. J'ai pas le droit de rentrer. Ok, je crois qu'on va bientôt passer à autre chose. Clé du domicile de Jimmy, d'accord. Clé du garage de Jimmy. C'est pas que... Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais... Je suis arrivé au bout de la rue, est-ce que j'ai moyen de passer par là? Peut-être. On va bien voir. Ouais, j'ai moyen. Parfait. On va retourner dans le centre-ville. Il nous reste un gamin à chercher. C'est pas le centre-ville, c'est cool. Merci quand même. C'était le camp. Mince. Ah, il nous manque ça aussi, les camps de... Oh là là, il y a du boulot. Du boulot, du boulot. C'est pas par là d'ailleurs. Non, non. Tant pis. Ah mais, non! Non! Comment oses-tu? Ah bah c'est par là, tout simplement. Barbradi, on l'avait eu. La banque, je sais pas si ça vaut le coup. Je me rappelle plus, moi. Je me rappelle plus, il y avait des trucs à faire normalement partout dans le coin. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'y suis déjà allé. Oh, c'est pour le plaisir d'en voir les photos. Y'a un truc ici? Non? Non, j'ai cru. Y'a pas un truc qui était genre ouvert là-dedans, mais je pouvais pas y aller ou un truc comme ça. Comment je peux faire pour y aller là-dedans? Là, y'a un truc qui est ouvert. Oui. Back again, I see. Ah, c'est l'œuf l'inimitable. Oh là 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 là. Je sais qu'il y a un succès, faut que je vende rien. J'en ai un petit peu rien à foutre du succès, à vrai dire. Oh là 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 là. Le nombre d'objets que je vais devoir vendre. Comment que je fais pour... Oh là là. Hop. Okama Game Sphere. Ah oui, excellent cet épisode. Oh, je suis pas rendu, hein. Je voudrais avoir le nez de David Hasselhoff. Les sextoys, je vais les garder, hein. Ça peut toujours être utile. Pipa crack, je vais la garder. Poil plus bien, je peux les revendre, y'a pas de soucis. J'ai pas vu que j'avais des trucs random.
C'est ici, petit médaillon. Hop. Je peux voir qu'un truc qui se vendait 4$. Chèvre afghane, ah oui. Non, non, on va pas la vendre. Juste pour cet épisode, elle est bien. Avec les versions afghanes de South Park. C'était juste magique. Ok, bon. On va pas s'amuser non plus à vendre tout. N'importe quoi. Tiens, Terrence, tu es viré. Allez. Bon, je laisse tomber. Je laisse tomber, ça m'énerve. ça m'énerve. J'ai entendu une voix coming up from the sewers. Ici, peut-être. Bonjour. Ok, c'est désespérément vide, donc on va faire autre chose. On va aller faire autre chose. Hop. Moi. Ah, ah. On va aller chercher... Terrence. Token, pardon. Terry! On va aller chercher Token, mais le mec veut pas vouloir qu'on passe. Aïe! Putain, ça y est, je sais pourquoi. Je viens de percuter. Je sais ce qu'il faut. J'aurais dû percuter beaucoup plus tôt. Je suis désolé, chers amis. Voilà, apportez quelque chose. Bon. Alors, plutôt que d'acheter Token, on va aller faire la tour. On va bien voir. Un petit peu d'action, ça va nous faire du bien. Allons-y. Alors. J'avais complètement oublié ça. C'est parti. Ils ont pas d'yeux. Bah ils sont... Je suis con, ils sont asiatiques. Dit comme ça, ça semble logique, hein, mais ne inquiétez pas, ça rentrera. Hop. Hop. Boum. Ah, ils étaient faibles à l'électricité, apparemment. C'est cool. Tu vas mourir. Boum. J'espère qu'ils font que dormir. Oui. C'est bien d'y croire. C'est bien d'y croire. Hop, bon, on monte là-dessus. On peut monter. Hop. Crac. Non. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Hop, allez, je t'ai frappé. Boum. 53 et 104. Ah, trop tôt, dommage. Dommage. La furie de la... Oh. Boum. Ça t'apprendra. Hop. Oh, il rentre. Hop. Torgud. Boum. Tu es mort. Oui, ils font que dormir, t'inquiète pas. Mon petit Batters Arc, mon go. Ah. Il est bien? Il est moins bien. Moi personnellement, je la considère moins bien. Non, c'est par là que je voudrais aller, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Hop. Ah, je l'ai pas. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé du trésor, mon... Ah bah oui, il est là. Shinpo, Kouman. Mais non. Voilà. Hop. Comment je suis censé m'y rendre? Par derrière? Pareil? D'accord. J'ai la clé du trésor mongol. Hop. J'ai la barbe et le patch d'épée flamboyante. Un fiche de dégâts de feu. Oh, c'est intéressant sur un mage ça. Ok, on continue à monter.
J'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Oh boy, a door buzzer. Hop. Ils sont 3. Ouais. C'est moins bien quand ils sont 3, ça marche moins bien ce coup là. Ou alors. Jésus, viens nous aider. Lock and load. Merci Jésus. Moi. Oh, niveau 4. Merci Jésus, tu étais magnifique, comme à chaque fois. Je précise que je ne suis pas plus chrétien que ça. Hein. Hop. Objet de quête que de dragon. Soyez pas jaloux. Pas genre un mec derrière, voilà, c'est ça. Crac. Hop. Entrons. Alors. Oh, un vrai gros mongol. Plein de grands mongols. Ça risque d'être douloureux. Ah non, il est tout seul. En fait, c'est une horde mongole directement. D'accord. Bah du coup, on y va. Hein. Hop, boum. Ah, ils sont immunisés. Dommage. Raté. Ouf du saignement. Faire un petit toucher. Ouh, ça fait du bien. Ok. Est-ce qu'il peut la refaire ou pas? Non. Frappe. Butters. Boum. J'ai pas réussi à l'esquiver, c'est dommage. Il est écœuré et il brûle. Impossible de consommer la nourriture. Tiens, vas-y. Soigne-toi. Allons-y. Frappons un coup. Non, attendez. Faisons un truc propre. On va les voler. Hop les. Ils s'enfuient, mais j'ai le temps de les voler. Qu'est-ce que je leur ai pris? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je leur ai pris? Je ne sais pas. Potion de fortitude. Cool. Ça pète de partout par contre. Hein. Ok. C'est une grande victoire. Une gigantesque victoire. Hop. On pète tous les lampions. Non, ça je peux pas le casser, c'est dommage. Ok, bah écoute, on descend. Amélioration disponible, c'est vrai, on a passé le level en plus. Aptitude. Point d'aptitude 1. Ah. Ça c'est bon. Dégâts supplémentaires pour chaque coup de... Pour chaque saignement en plus, entre guillemets. Parfait. Ok, tout s'envole. Hop. Combien sont-ils? 2. Boum. C'est un gros sac à PV le Torgude. Hein. Hop. Boum. Et il a survécu. Raté. Et tu meurs. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Et on continue à descendre. Oula, ça pue un peu du cul cette histoire. Ça commence à péter de n'importe où. Je sens que ça fait un gros boom. Non? Non.
Hop. Non, je suis rentré avant, nananer. Hop. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolia anytime you want. Not bosses though, they too tough. You call me with this, I give you one per day. Cool. On a une nouvelle invocation, génial. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Du coup, il nous reste quoi comme quête finalement? Hop. L'amour sport, mais je peux pas y aller. Ici, je peux pas tous les faire. Le Team Express, j'imagine qu'il y a un point au niveau de la frontière. Et le cache-cache, j'imagine qu'il est dans un endroit où je ne peux pas encore aller non plus. Donc bon. Bah écoutez, on va aller chez Jimbo. On va acheter notre masque à gaz. Oui, tout était prévu. Hein. Tout était prévu. Et on va aller voir si Token est dispo. Hop. On équipe ce masque à gaz. Hop. Retourner au pré sombre. Oh non. Je viens de comprendre. Mais bon, c'est pas grave. ok. Ici. Timmy. Hop. Et on va essayer de rentrer. Ah bah alors. What the fuck? Oh no. Eh si. I don't think I like you very combien de PV? J'ai battu des boss avec plus de PV que toi. Ow. Hop. Tiens, bouffe. Bouffe du saignement. Hop. Ça c'est fait. Tasé jusqu'à l'inconscience. Et du coup, on va aller l'assassiner. Hop les. Circuler. Y'a rien à voir. À part un cadavre. Oh, il a lâché une arme. Il fait moins de dégâts. Il fait beaucoup moins de dégâts. C'est quoi le... Je vais inverser, allez voir. Retirer. Modifier. Équiper. Hop, et là, du coup je pense que je vais avoir plus de saignement encore si je l'équipe. Voilà. Les saignements, c'est littéralement la vie. Ok. Ah oui, il y a le garage de Token. Ok. Je m'attendais à beaucoup mieux, à vrai dire. Coiffe de religieux, bon bah oh, perruque de Token. Pff, on peut avoir la coupe de Token si on veut. Oh là là. C'est génial. On a un Shin Pokémon là-bas. Hop, parfait. Pokémon. Ok, bon, on a plus qu'à rentrer là. Yeah. Bonjour. Can I help you? Bonjour. What's this? Oh, the elf stick the stick again? Hang on a second. Reviens vite. Thank you for that message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? Excellent. On va juste remettre quand même notre cape. Pas celle-ci, celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci, même si l'autre, la capuche sorcière va tellement bien. Et je peux pas rentrer? Dommage. Donc j'ai fait... Alors attendez. On a fait qui? On a fait Tweak. Certain. Alors, attendez. Apparemment on a fait tout le monde. On a fait Craig. Je me rappelle plus de Craig. On a fait Token, on a fait Tweak. Mais Craig, je me rappelle plus. Si, il fallait simplement aller le voir chez lui, non c'est ça? Sans doute. Ok, donc on a avancé. Il a peur de moi maintenant, le bonhomme. Dark Meadows. Ah bah oui, c'est marqué dessus en plus. Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Du coup, bah écoutez, on va plutôt retourner à Koopa Keep, hein, je pense.
Hop. Rendons-nous à Koopa Keep. Hop. Cinématique. All soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. C'est moi qui vais tout prendre dans la gueule. I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Le cri du dragon. Oh mon dieu. Tu vas m'apprendre le Fusroda ou le Fuspedda. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! Oh la 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 la. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Trouvez la fréquence. Paf. Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. Hop. Hop les! My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragon bone has come at last in our hour of need? Dragon bone. Now let us try your skill on a real. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Comptez sur moi. Douchebag, don't get all shy on me now. Show her the trick. Mais non, mais c'est bon, je l'ai fait. Bah, c'est là, je suis au bon endroit, non? Boom! That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. Merci. Ok, chargement. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Kenny? Oui, Kenny. Mon pote Kenny. Collectors. Inventaire, aptitude. Vous avez deux nouveaux amis. Oui, je suis au courant, merci. Groupe A. Kenny. Ah, j'ai oublié de le garder. Bon, d'accord. Recruter Craig. Oui, ça me semble logique. Il n'y a pas un gamin là-dedans, à tout péter. Non. Non, apparemment non. Bon, bah tant pis. Je suis vexé. Appuyez sur P pour changer de compagnon. Hop. Ouais, on a Kenny. J'ai tout fouillé, hein. Je sais plus. Oui, j'ai tout fouillé, je pense. Ouais, j'ai tout fouillé. Bon. Bah cool, alors. C'est très très cool. Ah, elle a arrêté de balayer. Bon. Alors, faut qu'on sorte Craig de détention. Ok. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on passe le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et juste avant, j'aurais quand même vérifié un petit truc. Non, je crois que c'était là. Ok, salut. Moi. Je peux pas péter. Comment qu'on fait pour péter la touche, c'est quoi? Je voudrais péter!
Merci. Je voudrais péter le cri du dragon. En tenant et en relâchant G. D'accord. Ok, ça marche bien. Mais je croyais qu'il y avait une... Attendez. Je suis là. Ça doit être le long de cette route-là, du coup. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ici, on va juste le faire vite fait, j'ai envie de tester un truc. D'accord, c'est parce que je l'utilise en fait. Ok, il me fait la première cinématique, quoi. Salut, Timmy! Et donc, normalement, par là, je crois qu'il y a un truc avec une... Voilà. Et normalement, ça marche, ça, non? Voilà! Ça, c'est pas efficace. Franchement, je sais pas ce qu'il sera. Perruque dubstep. Page de dueliste. Ouh, c'est quoi? Oh! 10 de dégâts en plus. Je prends. Et je vais équiper tout de suite, d'ailleurs. Retirer. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Parce que ça s'équipe sur l'arme, non? Sur le... Mmh. D'accord. C'est bizarre ça. Hop. Voilà. Modifier. C'est ça? Oui, c'était ça. D'accord. Ok. On modifie celle-ci aussi au passage. 10% de dégâts, 10 points de dégâts en plus, PP dégâts de feu. Ok, parfait. Et ben voilà, salut les gens. Je suis équipé maintenant. Hop, hop, hop. Tellement intéressant de voir l'envers du décor. Salut.